Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin, amma ba'd. Donc aujourd'hui, on va traiter la dernière série de TD sur réduction des endomorphismes, sur la question diagonalisation et trigonalisation des matrices. Donc, on va commencer par l'exercice 1. L'exercice 1, on a une matrice d'ordre 4, soit A, une matrice d'ordre 4, la voici. La première question, montrer que A est diagonalisable. D'accord. Deuxième question, si elle est diagonalisable, trouver la matrice diagonale et la matrice de passage. Donc, on va faire le TD. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hapsoni. Donc, on commence. Donc, toujours, pour démontrer que la fonction ou que la matrice, est-ce qu'elle est diagonalisable ou non, il faut calculer le polynôme caractéristique. Il faut calculer les polynômes caractéristiques. Le polynôme caractéristique P à lambda, d'accord, qui est égal P à lambda, d'accord. On peut le noter P à lambda. C'est exactement déterminant de A moins lambda I. Déterminant de A moins lambda I. Donc on va calculer les valeurs propres. On va calculer les valeurs propres de la matrice, d'accord. Donc, les valeurs propres, c'est-à-dire A et AA, dans la diagonale, il faut ajouter moins lambda, moins lambda, moins lambda, moins lambda. Diagonale, dit moins lambda, moins lambda, moins lambda. Donc, voici, diagonale, moins lambda, moins lambda, moins lambda, moins lambda. Très bien. Donc, on va calculer un polynôme de taille 4. Mais on ne vous donne pas des polynômes compliqués. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'on a des zéros. Donc, on va calculer le déterminant suivant la première ligne. Donc, est égal à 7 moins lambda, qui est ici, fois le déterminant mineur qui est là, moins 4, fois le déterminant mineur qui est là. Très bien. Donc, une autre fois, on a un déterminant d'ordre 3, mais ici, on a des zéros. Donc, c'est moins 7 moins lambda, d'accord, fois le déterminant mineur qui est là, moins 4, la même chose, fois moins 12, qui est égal à plus 48, fois le déterminant mineur qui est là. Donc, cet exemple, il est très simple. Pourquoi? Parce que vous voyez que le déterminant qui est ici, et le déterminant qui est ici, c'est le même, 900. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sortir ce déterminant en facteur. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça. 7 moins lambda moins 7 moins lambda. Ici, on peut faire sortir le moins en facteur. Donc, moins 7 plus lambda. 7 moins lambda fois 7 plus lambda, c'est 49 moins lambda au carré. Plus 48 fois le déterminant qui est là, qui est en facteur. Donc, si on calcule le déterminant, on va multiplier ça par ça. Moins 6 fois 11, c'est moins 66. Moins 6 fois moins lambda, plus 6 lambda. Moins lambda fois 11, c'est moins 11 lambda. Moins lambda fois moins lambda, c'est plus lambda au carré. Très bien. Moins, ça a la loi, 6 fois moins 12, c'est-à-dire plus 72. D'accord? Donc, après calcul, donc ici 49 avec le moins, c'est moins 49, ou moins lambda au carré, c'est lambda au carré, moins 49 avec plus 48, c'est moins 1, lambda au carré moins 1, c'est lambda moins 1 fois lambda plus 1. Et à droite, on trouve un polynôme de degré 2, on calcule leur delta, on trouve deux racines, la première c'est 2 et la deuxième c'est 3. Finalement, le polynôme caractéristique, c'est lambda moins 1 fois lambda plus 1 fois lambda moins 2 fois lambda moins 3. Donc, vous voyez que les valeurs propres sont 1 et moins 1 et 2 et 3. Ça, c'est le spectre. Le spectre, c'est l'ensemble des valeurs propres. Les quatre valeurs propres sont distinctes, c'est-à-dire on est dans le cas le plus simple. Puisque les valeurs propres sont distinctes, alors A est diagonalisable.
Et elle est semblable à la matrice diagonale. Donc, on a dit que dans le cours qu'il faut mettre ici les valeurs propres. L'ordre des valeurs propres n'est pas important. Ce type de n'est pas important. On peut déclasser les valeurs propres. Donc, par exemple, on a pris moins 1, ensuite 1, 2, 3. On peut déclasser les valeurs propres. L'ordre n'est pas important. C'est bon, on continue. Donc, le premier exemple, c'est très simple. On a trouvé des valeurs propres distinctes. Maintenant, il faut calculer la matrice de passage. La matrice de passage. Donc, de plus, la matrice de passage, c'est la matrice des valeurs propres, des vecteurs propres. C'est la matrice des vecteurs propres. En effet, donc on commence par la première valeur propre. Il faut résoudre AV1 est égal à lambda 1V1. Lambda 1, c'est moins 1. Donc, c'est AV1 est égal à moins V1. La deuxième, c'est AV2 est égal à V2. La troisième, AV3 est égal à 2V3. Ou la dernière, AV4 est égal à 3V4. D'accord? Donc, voici A plus V2. Donc, on va ajouter plus 1 dans la diagonale. On va ajouter plus 1. Donc, ici, au début, c'est 7 plus 1, c'est 8. Moins 7 plus 1, c'est moins 6. Moins 6 plus 1, c'est moins 5. Et le 11 plus 1, c'est 12. Fois le V1, vecteur inconnu de R4. Majoul. V1, vecteur inconnu de R4. R2, c'est x, y. R3, x, y, z. R4, c'est x, y, z, t. Est égal à 0, 0, 0. Donc, finalement, après multiplication, première ligne, la colonne. Deuxième ligne, la colonne. Troisième ligne, la colonne. Quatrième ligne, la colonne. On va trouver un système à 4 équations et à 4 inconnus. Système à 4. Oui. Chef, les éléments diagonaux. Z n'a plus 1 parce qu'il y a moins 1. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Ou l'a dit, c'est ce qu'on a dit. Donc, c'est ce qu'on a dit. C'est équivalent. Je te fais un moment. Une minute. Donc, Gina avait 1 plus I. Et la matrice unité. IV1. Bon, je crois que est égal à 0. 0, c'est la matrice nulle. 0, le voici. R. Nous avons plus 1, plus 1, plus 1, sur la diagonale. Donc, après résolution, maintenant, on trouve y est égal à moins 2x. La même chose pour l'équation 2. On remplace y par moins 2x. Moins 2x. J'ai moins 22 avec le 20. C'est moins 2x. Plus AD, c'est bon. Voilà. Y par moins 2x, c'est plus 12x, c'est 0. Il nous reste AD. Donc, on va trouver Z est égal à moins 2t. D'accord. On remplace Z par moins 2t. D'accord. On va trouver T est égal à moins x. Finalement, Z est égal à 2x. Donc, x est égal à x. Y est égal à moins 2x. Ou T est égal à moins x. Ou Z est égal à 2x. Finalement, implique V1. Donc, là, entre parenthèses, il faut choisir une valeur de x. Là, on a choisi x est égal à 1. Retard n'importe quelle valeur. D'accord. Implique le E moins 1, il est engendré par le vecteur V1. Voici le vecteur V1. De la même manière, pour ne pas perdre du temps, on va résoudre A plus A moins I, V2 est égal à 0. La troisième, 1, plus, 1 moins 2I, V3 est égal à 0. Ou la dernière, A moins 3I, V4 est égal à 0. Donc, toujours, on trouve un système 4 équations. Hello, ça. On trouve par la même méthode V2, V3, V4. D'accord? Donc, c'est le vecteur propre convenable à la première valeur propre moins 1, la deuxième valeur propre 1, troisième valeur propre 2 et quatrième valeur propre 3. Et c'est terminé. Donc, je vais vous envoyer ce fichier, Inch'Allah, juste après la séance. Essayez de refaire les calculs. Essayez de refaire les calculs. C'est bon? Pas de questions? On continue? Oui, monsieur. D'accord. Donc, on continue. Donc, on va passer à l'exercice 2. Soit F un endomorphisme. Endomorphisme, c'est-à-dire application linéaire
D'accord? Où les coefficients sont dans C. C'est des nombres complexes. Définis par f de px est égal à x moins 1 p de x. D'accord? La question montrait que f n'a pas de valeur propre. D'accord? Montrer que f n'a pas de valeur propre. Bon, c'est un exercice technique. Hein? Donc ici, on va supposer par l'absurde, si f admet une valeur propre lambda. Une valeur propre lambda. Alors, il existe un vecteur propre, polynôme non nul, d'accord? Associé à lambda, tel que, qu'est-ce que ça veut dire lambda valeur propre de P? Polynôme non nul, un vecteur propre P de X, bien sûr, un vecteur propre P de X, associé à lambda, tel que F de P de X est égal lambda P de X. Yani, elle est équivalente à quoi? Si on veut la écrire par les matrices, on va remplacer le F par A. A, c'est la matrice associée à F. D'accord? On peut la remplacer par A. Mais ici, on manipule le F. On n'a pas on n'a pas d'intérêt d'utiliser la matrice. Donc, on va. A, le P, si je le rôle de V. Le P, je le rôle de V, le vecteur propre. Ça y est. Donc, les vecteurs propres sont des polynômes. Les vecteurs propres sont des polynômes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? F de P de X est égal à lambda P de X. Par définition, F de P de X, yani X moins 1 P de X, d'accord, est égal à lambda P de X. P de X, c'est un polynôme non nul. P de x, c'est un polynôme non nul, hein, parce que c'est le vecteur propre. C'est un polynôme non nul. D'accord? Très bien. Ah, là, est-ce qu'on connaît f? Non. Est-ce qu'on connaît p? Non. Est-ce qu'on connaît lambda? Non. Il faut voir que cette égalité qui est là. Le degré du polynôme qui est à droite. Le degré du polynôme qui est à droite. Par exemple, un vecteur propre, d'accord, de degré, par exemple. On ne connaît pas le degré. De degré n, par exemple, de degré n fixé. D'accord? Donc, à droite, le degré, il est égal à quoi? À l'éliminant. Le degré est égal à quoi? N. À droite, le degré est égal à 1. Ou à gauche, le degré est égal à quoi? N plus 1. 1 plus 1. Est-ce qu'on peut avoir un polynôme de degré 1 plus 1 est égal à un polynôme de degré 1? Est-ce que c'est possible? Non. Non. Il est possible dans un seul cas. Il a qu'un p de x est égal à 0. 0. وهنا في هذه الحالة مليح بي دو اكس اللي ديفيرون زيرو عليها رحنا كاتبين سو كي امبوسيبل كار لو دوغري دو برومي مومبر الطرف الاول اي ديفيرون دو دوغري دو دوزيام مومبر داكور باسكو هذا ديفيرون كار لو دوغري ايت ايغال لو دوغري تاع هذا بلس 1 زايد عليه واحد صحيح لو دوغري بلس 1 دونك فينالمون هذا سي تان ريزونمون بار لابسيل دو لا كونتراديكسيون دو لا كونتراديكسيون سيتادير كونكلوزيون كونكلوزيون D'accord. F n'a pas de valeur propre. C'est-à-dire jamais l'endomorphisme qui est là admet une valeur propre. Jamais on a ça.
Cet endomorphisme admet une valeur propre. Et c'est terminé. C'est bon? Pas de question, Naya? Bon, on a terminé l'exercice. On continue? Donc, là, c'est un exercice technique. Il y a une règle technique. Donc, exercice 3. Soit à une matrice, d'accord, soit à une matrice d'ordre 3. La question, calculer la puissance de A, A à la puissance N. Et dès qu'on termine, on va résoudre le système différentiel dx sur dt est égal à x. Bien sûr, Hanaya, le vecteur grand X, c'est quoi? Je vous dis que le vecteur grand X est égal à quoi? Le vecteur grand X est égal à quoi? Aïe, je m'attrape. C'est A moins 1 fois dx sur dt. C'est une équation différentielle. Le majhoul taha, c'est grand X. X, fil hal al amma, est égal à quoi? La matrice, la taille taha, chahar la matrice. 3. 3. C'est mal inconnu X, c'est quoi? C'est X, Y, Z. Y, Z. C'est le majhoul. Ça y est. Donc, nous allons faire la question. On commence par la première question, ensuite la deuxième question. Bon, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va diagonaliser A. On va diagonaliser A. Donc, premièrement, calculons les valeurs propres. Calculons les valeurs propres. Donc, les valeurs propres, c'est-à-dire, on va résoudre déterminant de A moins lambda I est égal à 0. Déterminant de A moins lambda I est égal à 0. Donc, vous voyez que, qu'est-ce qu'on a fait? On va prendre A, notre matrice A, on dit on a moins lambda, moins lambda, moins lambda. C'est la même derrière. Elle dit c'est la même, sauf la diagonale, zid moins lambda, moins lambda, moins lambda. Est égal à 0. D'accord? Donc, équivalent, après calcul, bien sûr, c'est un déterminant d'ordre 3. On va le calculer. On va trouver un polynôme de degré 3. On va trouver un polynôme de degré 3. D'accord? Donc, pour décomposer le polynôme de degré 3, en arabe, ou en français, ou là en français, en arabe, pour t'halle le jida, quand il y a le limite de degré 3, ou en français. La racine. Une racine, une solution particulière, hal khas. يقولوا له يا حل خاص ولا حل ظاهري انت كي تجي في الحل الخاص تي بالزيرو بالان بالدو الاول هنا اللي يحقق لك المعادله شكون موانزا سي موانزا الاول سي موانزا واه مليح ترى كنعاودوا بالموانزا هنا تجينا موانزا مع الموان 6 موان 7 والموانزا جي 7 7 مع الموان 7 سي زيرو مليح عليها خرجنا لوندا بلس 1 اون فاكتور خرجنا لوندا موان موانزا اللي هي لوندا بلس 1 يبقى لي ان بولينوم دو دوغري 2 اون في لا ديفيزيون اوكليديان القسمه الاقليديه ابري لو كالكول دو دالتا اون تروف هاد لي دو سي كلير هاد لا ديكومبوزيسيون ولا لا سي بون وي سي دونك امبليك اون ا 3 فالور بروب داكور اون ا 3 فالور بروب لا بروميير فالور بروب سي موانز 1 La deuxième valeur propre, c'est moins 2. Et la dernière valeur propre, c'est 3. La dernière valeur propre, c'est 3. D'accord? Donc, les valeurs propres sont distinctes. C'est le cas le plus simple. Donc, A est diagonalisable. A, elle est diagonalisable. D'accord? Très bien. C'est bon. La matrice diagonale, on va mettre les valeurs propres. Moins 1, moins 2, 3. C'est bon. On va la faire après. Donc, cherchons la matrice de passage. Cherchons la matrice de passage. Donc, c'est-à-dire
la matrice des vecteurs propres. La matrice des vecteurs propres associés. Très bien. Donc, on va commencer par premier cas. Donc, si... Donc, pour... Qui est-ce qui peut me dire la notation de les sous-espaces propres? Qui est-ce que nous avons? La notation de les sous-espaces propres. Là, comme je vais vous dire, je vais leur annoncer, dire E, E. Ou le tchat, tu la première valeur propre, moins. D'accord, elle dit moins, je vais le dire. Donc, pour E, moins. Ça y est, là, la valeur propre, là, moins. Très bien. Donc, on va résoudre. On va résoudre. AV est égal à moins V. AV est égal à moins V. D'accord? Implique. Donc, AV est égal à moins V. D'accord? Équivalent. Qu'on va écrire comme on a écrit. Donc, A plus I, V, V1, c'est le premier vecteur. Puisqu'on a une valeur propre distincte, sur on va trouver un seul vecteur. Il faut que dire le V ou il faut que dire le V1. Si tu es sûr que la valeur propre se répète une seule fois, c'est-à-dire on va trouver un seul vecteur. Ça, c'est la valeur propre se répète deux fois ou la trois fois et plus. Ça se peut y a deux vecteurs, trois vecteurs, etc. Donc, 1 plus, donc, A, on va le mettre ici. D'accord. Plus I, il y a un 1, 1, 1. Est égal le vecteur nul. Donc 0, 0, 0. Très bien. Implique. Donc implique. X plus Y plus 2Z est égal à 0. X plus Y plus 2Z est égal à 0. Et X plus 2Y plus Z est égal à 0. Donc on a trois équations. On a trois équations. Très bien. Donc, vous voyez que la première ou la deuxième, c'est la même. Hein? La première ou la deuxième, c'est la même. Donc, on va faire 2 moins 3. Donc, 2 moins 3 implique. 2 moins 3. X avec X disparaître. 2Z moins Z, c'est Z. Y moins 2Y, c'est moins Y. On va trouver que Y est égal à Z. Donc, puisque Y est égal à Z, d'accord, donc le X implique que le X est égal à moins 3Z. C'est bon. Donc, le Y, c'est le Z. Le X, c'est moins 3Z. Et le Z est égal à Z. Donc, implique que le V, c'est moins 3Z, Z, Z. On a laissé Z, Y par Z, et le X par moins 3Z. Donc, c'est Z fois ça, implique que E moins 1, E moins 1, E moins 1, c'est vecteur V1 avec, il est engendré par V1 avec V1 est égal à ça. Et c'est terminé. C'est clair, Hadi, c'est bon? Donc, la manière, elle est très, très simple. Dans l'examen, inchallah, soit on vous donne un exemple d'ordre 3 ou bien d'ordre 4. L'un des deux, d'accord. Donc, d'ordre 4, on va vous donner beaucoup plus de zéros. Il y en a qu'on a comme des zéros. Donc, c'est très simple de résoudre ça. Donc, on va aller pour la deuxième valeur propre, c'est-à-dire E moins 2. E moins 2.
pour la deuxième valeur propre. C'est la même démarche. Donc, on va résoudre AV est égal à moins 2V. Donc, équivalent. Équivalent. D'accord. Donc, on va trouver 1A plus 2I, V2, deuxième vecteur, V2, est égal à la matrice nulle. Là, c'est V2. Parce qu'on est dans le cas de distinct. Donc, équivalent. Donc, on va aller à A, la voici A. C'est la matrice A. Il faut ajouter N plus 2 plus 2. 2, 2, 2. Est égal à la matrice nulle 0, 0, 0. Donc, implique l'équivalent, c'est la même chose. On va trouver le système qui est ici. Donc 2x plus y plus 2z est égal à 0. X plus 2y plus 2z est égal à 0. Et la dernière, la même chose, x plus 2y plus 2z est égal à 0. D'accord? Donc 1 moins 2, 1 moins 2, on va trouver 1 moins 2. 2x mal x, c'est x. 2z avec 2z s'élimine, ou Gina, moins y. Donc x est égal à y. D'accord? Et le z, après remplacement, on va trouver que le z est égal à moins 3 sur 2x. Moins 3 sur 2x. D'accord? Très bien. Donc finalement, implique que le v. Le V, c'est x, x moins 3 sur 2x. Donc, c'est x1, 1 moins 3 demi. Donc, finalement, le E moins 2, le E moins 2, pour ne pas avoir des calculs avec les freins. Donc, la meilleure manière, on va choisir le x est égal à 2. D'accord? Donc, on peut faire x est égal à 2. Donc, le E moins 2, c'est vecteur. Même x est égal à 1, c'est juste. Même x est égal à 1, c'est juste. Donc, avec V2, ici, on a choisi x est égal à 2. Chimchinad, le moins 3, 2. Et c'est terminé. D'accord. C'est bon? C'est bon la deuxième? Monsieur. Oui, chez Hajak Bira, tu peux obliger, les calculs sont très simples. Pour E3, troisième valeur propre, donc AV3 est égal à AV3, troisième vecteur, AV3 est égal à 3V3, elle est équivalente. Toujours, A moins 3i, V3, est égal à 0. Donc, équivalent. Donc, voici A. Donc, on a moins 3. On a moins 3. On a moins 3. D'accord? Est égal. 0, 0, 0. Très bien. Donc, implique, on va trouver le système suivant. Moins 3x plus y plus 2z est égal. X moins 3y est égal, etc. C'est des calculs simples, produit. D'accord. Donc, 2 moins 3, 2 moins 3, x avec x est roh, 2z moins moins, j'ai 5z, ou on a moins 5. C'est-à-dire y est égal à z.
Y est égal à Z. Donc, Y est égal à Z, on va trouver dans 1, hein, moins 3X est égal à moins 3Z. Donc, le X est égal à Z. Finalement, on va trouver ça. Donc, V3, c'est x, 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 donc c'est x fois 1, 1, 1. Donc, le meilleur vecteur, on va remplacer le x par 1. Donc, ici, avec V3 est égal à 1, 1, 1. Donc, on a trouvé les trois vecteurs. Donc, ce qui implique que donc la matrice de passage, elle est égale à ça. On a dit que dans la matrice D, d'accord, avec la matrice D, matrice diagonale, c'est une matrice d'ordre 3. Bon, c'est des 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bon, il faut respecter l'ordre. La première valeur pour qu'on a commencé, c'est le moins 1. Moins 1. Ensuite, moins 2, ensuite 3. D'accord? Donc, c'est moins 1, moins 2 et 3. D'accord? De même, bon, il y a une remarque. Dans le cours, on a fait un exercice, dans le cours. Parce que j'ai vérifié le cours, on a fait une petite erreur. Bon, je l'ai corrigé, je vais vous envoyer le cours, format final. On a fait un exercice, P est égal, bon, toujours une matrice d'ordre 3. Ouf, la deuxième colonne, la deuxième ligne, on a trouvé 0, 0, 0. Déterminant halish hal. 0, zéro. Quand on a fait le déterminant suivant la deuxième ligne, c'est beau 0. Ou c'est faux. Qu'on a donné, ça y est, on a fait une erreur. J'ai corrigé cette erreur. Donc, je vais vous envoyer la nouvelle version du cours. Essayez de revoir normalement la dernière séance de trigonalisation où on a fait. Avec les canadiens, on a fait. On a fait une erreur. J'ai corrigé. Parce que jamais, tous les matrices de passage sont inversibles. D'ailleurs, c'est bon, inversible. Même si c'est inversible. يعني الديتيرمينو تاعهم شحال يكون ديتيرمينو تاعك 0 باش يكونوا انفيرسيبل ديتيرمينو تاعك 0 ديفيرون دو 0 ديفيرون 0 دونك حنا اون ا با رماركي هنايا سي 0 0 0 ديتيرمينو تاعك سي فو دونك جي كوريجي ليرور داكور لي دون لا دانيير فيديو ايسيي دو لا ريفوار دي كون تيرمين سيت سي ان شاء الله جو في فوز انفوي لو كور افيك لو تي دي اي كوريجي دو سي تي دي ان شاء الله. Donc, implique, ça y est, avec DHD, on calcule, et enfin, on trouve, on calcule P moins 1. Donc, on a avec D, de même, ou là, on a par suite, on calcule P moins 1. Il faut calculer P moins 1. En effet, donc déterminant de P moins 1, de P, déterminant de P est égal. Donc c'est le déterminant de ça. D'accord? Donc est égal, on va calculer le déterminant suivant la première colonne. Donc, Gina, moins 3. Moins 3 fois. Déterminant mineur, on a chalé. J'ai 2 plus 3 fois 5. Ça y est. Aoud, m'chou l'hadi. Moins 1. Moins. Aoud, m'chou hada, m'a hada. 2, toujours plus 3 fois 5. Aoud, plus 1. Plus.
Déterminant hada, 2 fois moins 2, c'est 0. Donc, déterminant est égal à moins 15, moins 5, c'est-à-dire c'est moins 20. D'accord? La comatrice de P, comme P, est égale. Donc, c'est une matrice toujours d'ordre 3. C'est une matrice d'ordre 3. Ici, c'est le signe moins, 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 moins. Ou les autres, c'est plus. Il y a une double. C'est bon, elle est ici. La comatrice, la coaqni, qu'est-ce que nous disons? Par exemple, had l'élément. Had. Nous devons dire isharat. Nous devons dire l'élément. Nous devons dire déterminant mineur. Had. Il faut remplacer chaque élément par son déterminant mineur. Tu sais, had. C'est bon. Donc, la comatrice, tu as tout le adad de déterminant mineur. Moins 3. Déterminant mineur, tu as had. Moins 3. Cinq. Cinq. Allez, cinq. Monsieur le deux. Déterminant mineur, tu as chal. Zéro. Zéro. Donc, allez, j'ai zéro. Monsieur le un. Déterminant mineur, tu as. Moins cinq. Moins cinq. Monsieur le un. Déterminant mineur, tu as. Cinq, tu as. Cinq, mais allez, puis moins de fois. Monsieur le deux. Déterminant mineur, tu as. Moins 4. Moins 4. Je voulais le 1, déterminant mineur. 7. Je voulais le 1, déterminant mineur. 0. 0. Je voulais le moins 3, déterminant mineur. Moins 4. Moins 4, mais le moins 4. Je voulais le 1, déterminant mineur. Moins 8. Moins 8. Donc, j'ai moins 6, moins 2, c'est moins 8. Le. Donc, implique P moins 1 est égal ici moins 1 donc c'est 1 sur déterminant moins 1 sur 20 moins 1 sur 20 ça y est voilà, on va insérer une matrice donc, c'est le transposé de la comatrice. Transposé. Donc, on a 5, 0, moins 5. Première ligne, toutes les premières colonnes. Ou on a moins 5, moins 4, moins 7. L'autre, c'est 0, 4, moins 8. Très bien. Donc, ce qui implique que donc le a à la puissance n on a fait ça dans le cours parce que a à la puissance n c'est toujours il nous reste les d au milieu ou p à gauche ou p moins 1 à droite ça y est qu'aqlin ala hadi hadi lakum aqlin ji hak ji est égal P, D, P moins 1. Une minute. D'accord, qu'il y a une N fois. On essaie N fois. D'accord. Hado P, P moins 1, P, attendons la matrice unité. Hado Gairo Hulier en frost. Il prend D, 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 D à la puissance N, ou à gauche P, ou le chra P moins 1. D'accord. Bon, après calcul, bon, DN, DN, elle est très très simple. D'accord. Donc, A, DN, c'est exactement ça. Yani, il faut aller à la diagonale ou mettre hadiya d. Monsieur la diagonale nous dit à la puissance 1, à la puissance 1, à la puissance 1. D'accord? Donc,
Ce qui implique que A est égal à ça. Donc, il suffit de calculer. A à la puissance n est égal. Donc, ça c'est P moins 1 à droite. Ça c'est le D1 au milieu. Je vais dire au moins 1 sur 20 parce que c'est une constante. Moins 1 sur 20. Et on va la multiplier par P. N'oubliez pas que le produit n'est pas commutatif. Bon, je vais laisser les calculs. Donc, je vais les faire, inch'Allah, et je vous rendre le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier hadi fin hadi. La première fois la deuxième. Le résultat trouvé, on va le multiplier par la dernière. D'accord? D'accord? Le résultat trouvé, on va le multiplier par la dernière. Bon, c'est simple. Donc, dinahak. On va trouver une matrice d'ordre 3. Allez. Première ligne, première colonne. Première ligne, première colonne. Dina moins 3 fois 100. D'accord? Moins 3, moins 1, l'absence 1. C'est bon. Alors, première ligne, deuxième colonne. Dina 2 fois moins 2, l'absence 1. Out, première ligne, troisième colonne. Dina 3 à la puissance 1. C'est bon. Out, première ligne, deuxième ligne, première colonne. Il ne nous reste que ça. D'accord? Deuxième ligne, deuxième colonne. Il nous reste exactement le même facteur qui est là. Ou deuxième ligne, troisième colonne. Il nous reste exactement le facteur qui est là. La dernière, première ligne, première colonne, c'est exactement ça. Première ligne, deuxième colonne, au lieu de 2, on a moins 3. D'accord? Ou la dernière, c'est la même, c'est 3 à l'absence 1. Ça, c'est le résultat du produit de ces deux. Fois la dernière matrice, et ainsi de suite. D'accord? Il nous reste le résultat final. On va laisser le moins 1 sur 20. D'accord? On va multiplier hada, fin hada. Donc, première ligne, etc. Donc, je vais faire le résultat final. D'accord? Et je vous envoie le corrigé, inch'Allah. C'est bon? À l'absence 1, c'est bon? Oui, c'est bon. Allez. On va passer à un autre problème. La résolution d'un système différentiel, d'accord, dx est égal à x, bien sûr, le grand x, comme on a dit, puisque c'est la matrice, elle est de taille 3, c'est x, y, z. L'inconnu, c'est x. C'est x. Je voulais vous dire de la matrice. Si a est une constante, elle s'appelle quoi? C'est pas la matrice. Cette équation, si A est une constante, elle s'appelle quoi? Cette équation de Tafadouli, elle est de 9 première année. Elle s'appelle quoi? Si A est une constante, elle s'appelle quoi? En première année, elle s'appelle quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Dx sur d. Bon, je vais mettre ça exactement. Dx minuscule. A minuscule, constante. On a x. Elle est l'équation. C'est une équation, je voulais dire de le SM. Et je mettrai. Les équations différentielles, l'oula l'écran, qu'est-ce que je veux dire?
أيوة. Première année, l'oula اللي قريناها. Équation A, j'ai de كمل الجملة. أي يا جماعة الخير. إلا راكم عاقلين، سي اون ايكواسيون افاريابل سيبارابل. سي اون ايكواسيون افاريابل سيبارابل. كيش كنا نديرو؟ كنا نديرو هذه ايكيفالون. جينا دي اكس سور اكس ايت ايكال ا دي تي. ونديرو الانتيغرال لي زيكس على جهة ولي تي على جهة. عليها سموها ايكواسيون افاريابل سيبارابل. دونك ليدي هنا سي كوا؟ ليدي سي كوا؟ هذه سي اون ماتريس ا. On va ramener ce système, on va le ramener à une à des équations à variables séparables. Rejouons trois équations. Une fait x minuscule, une y minuscule, une z minuscule. C'est d'accord. Donc on a l'équation dx sur dt par rapport à t, est égal à x, elle est équivalente à exactement ça. Dx prime, dx prime, est égal à dx prime. Quelle est la différence? Je vois le fark. A, c'est une matrice quelconque. A, c'est une matrice quelconque. Ou D, d'accord? D, c'est une matrice diagonale. L'avantage, c'est quoi? C'est pour moi, je vais وكان نديرو هكذا زوم معايا دقيقه دوز اكس موان 3 y بلس 5 z ايتيغال ا زيرو نديرو اكس بلس 5 y موان 7 z ايتيغال ا زيرو ولا دانيال 3 اكس بلس 6 y بلس z ايتيغال ا زيرو. C'est le premier système. Et un autre système. D'accord. 3x est égal à 5. 5y est égal à 6. 9z est égal à 7. Quel est le système le plus simple? Est-ce que le premier ou le deuxième? Quel est le système le plus simple? Le deuxième. Le deuxième. Ah, ou quand on a besoin d'écrire l'oul à la chaque matricielle, ce que je redirige. À gauche, c'est une matrice d'ordre 3. D'accord? Gine 2, moins 3, on fait les coefficients. 5, tu peux me lire. Ou on a 1, 5, 7, moins 7. Ou la dernière, c'est 3, 6, 1. D'accord. Ou l'autre, l'autre toujours c'est une matrice d'ordre 3. L'igdem x3, la première ligne, ça y 0, 0. Out, deuxième ligne, 0, 5, 0. La dernière ligne, 0, 0, 9. Quelle est la différence? C'est que à droite, c'est une matrice diagonale. Ou à gauche, c'est une matrice quelconque. Allez, on a un exemple. On a le système. A, c'est une matrice quelconque. On a ramené la résolution d'un système différentiel d'une matrice quelconque à une résolution d'un système différentiel avec une matrice diagonale. Je ne sais pas si je vais dire ça. À gauche ou à droite? Je ne sais pas si je vais dire ça. À droite. Les à droite. Ça, c'est une. Une différence, laquelle? Rekzou معايا دقيقه. Hena, c'est pas x. C'est x prime. Yani, c'est un autre vecteur, x prime. Li ghadi nsemmiwa x prime, y prime, z prime. Mais il y a un lien entre les deux. Ha, yedi l'alaqa. Hena, khsni x. X, c'est exactement px prime. Yani, ki nseb x prime, yekfi bach ndrebah fil p, bach nseb le x. Ou kemlet. Ça y est? Donc, hadi équivalent. Équivalent, ha yedi.
équivalent à ça. D sur dt, on a parlé de ce système. D sur dt, x prime, y prime, z prime, est égal à la matrice diagonale qu'on a trouvée. يعني هذه هي D. La matrice des valeurs propres. La matrice des valeurs propres. Ça y est. Aïe. Équivalent. Équivalent. D'accord. Donc, la première ligne, on chara des tatena. Dx prime. On va faire ça. La première ligne. Radijina dx prime. Sur dt est égal à moins x prime. Ah, dx prime sur dt est égal à moins x prime. Qu'est-ce que يعني لاش ولينا شكون اللي يقول لي دونك هادي سي لا بروميير لين دوزيام لين دي اي بريم ايتيغال هادي موا ولا ديرنيير لين دي زد بريم ايتيغال دونك هادو لي تروا زيكواسيون واش ولينا فيهم لي ماتريس هاد لي تروا زيكواسيون لا هادو سي دي لي تروا زيكواسيون Et moi, les minimes équations différentielles à variables séparables. Il y a à variables séparables ou à variables séparables. Regardez, on va trouver le x prime, mais on va trouver le y prime, ou le z prime. On va trouver le grand x prime. Ou quand c'est pour le grand x prime, on va le multiplier par p pour trouver x. Ou comme le dit. Mais vous avez l'idée ou le là? Je m'arrête le khair. Mais vous avez l'idée ou le là? Oui, monsieur, c'est clair. Je vais vous poser une question et vous vous rappelez une seconde. Et quand la matrice qui est venue à diagonale, est-ce que toutes les matrices sont diagonalisables? Non. Non. Qui est juste diagonalisable, vous avez dit que c'est trigonalisable. Trigonalisable. Mlih. Rekzou m'aya dqiqa. Ou quand il est trigonalisable, il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Mlih. ركزوا معايا دقيقه في لي تروا زيكواسيون في لي تروا زيكواسيون شكون اللي ما تتبدلش لي زيليمون دياغونو لا صح لي زيليمون دياغونو ما يتبدلوش لا راني على لا فورم هنا قلنا افاريابل سيباراب هنا افاريابل سيباراب وهنا افاريابل سيباراب وكان جات تريغوناليزاب نعطي لكم غير مثال تخيل تجي هنا ان ركزوا معايا دقيقه في لي تروا زيكواسيون شكون اللي ما تتبدلش الاكس لا ايه الزاد زاد الزاد اللي ما تبدلش التاليه اللي ما تبدلش خطر التاليه سير قبلها زيرويات اسمحوا لي التاليه اللي ما تبدلش يعني التاليه تقعد ايكواسيون ديفيرونسيال ا فاريابل سيباري هنا يخرج في الزاويه يخرج غير ايكغيك بريم ايكغول اكس Y prime ou Z prime. Bien. Z prime, tu connais déjà ça. Regarde, tu as oublié. Z ou jamais tu trouves l'équation à variable séparée. Je connais les variables séparées. Tu connais les équations séparées. Je connais les équations séparées. Aïe, je m'en. Le cas est très bon analysable. Regarde, tu trouves à variable séparée. زوجة يخرج Y بريم بلس حاجة Z بريم يكون عندك إيكواسيون شكون اللي يقول لي أي يا جماعة الخير واش تدرنا في بروميير اني لي زيكواسيون ديفيرونسيال أفاريابل سيبار زيدوا لي لي سومون زيدوا لنا الأسومة عطوني كاع الأسومة تاع لي زيكواسيون ديفيرونسيال اللي راكم عاقلين عليهم في البريميير كان خمسة الله راكم عاقلين اللي درناهم في البريميير ايكواسيون افاريابل سيبارابل لا افاريابل سيباري الزوجة تبدا بالاش او La deuxième, c'est homogène. La troisième, moi, je t'en.
لينيير وكاين لا كاتريام اللي راكم عاقلين برنولي ولا سانكيام ريكاتي هذو هما خمسه اللي درناهم هذا الحاله تاع تريغوناليزا جينا لا دوزيام ولا تروازيام يجيو دي زيكواسيون لينيير غير كملاحظه وصاي هذا ماك صاي دونك هنا واش غادي تجينا دونك نديرو ا فاريام سيباري هيا دي انا سيبار لي فاريام دونك ايكيفالون نحلو الاولى دونك نحلو ليكواسيون الاولى ها واش نصيبو هنا ايكيفالون équivalent une minute on a les intégrations très très simples bon il faudrait là. Donc la deuxième à Oshagina la troisième à Oshagi d'accord donc l'intégrale l'oul l'intégrale deuxième intégrale troisième intégrale d'accord finalement on va trouver x prime 1 y prime 1 et z prime 1 C'est moi. D'accord. Donc, dès qu'on trouve x prime, regardez, c'est là. Donc, on a x est égal à px prime, mais donc x est égal px prime d'accord donc ça c'est la matrice P ça c'est la matrice P d'accord on va multiplier donc est égal on va remplacer x prime y prime D'accord, c'est bon. On va trouver le résultat suivant, après calcul. Donc, Hada joue le rôle de petit x, ou Hada petit y, et l'autre petit z. D'accord. Donc, ça c'est le grand X, donc implique. Ce qui implique. On va trouver donc le x est égal à ça, le y est égal à ça et le z est égal à ça et c'est terminé. C'est bon, je m'arrête l'idée. C'est bon? Oui, c'est. D'accord. Le dernier exercice, on le hapso. Donc, l'idée, c'est la même chose que c'est beau, la forme diagonale de A. Le système HADA dx est égal à x, nous le dx prime est égal à dx prime. C'est pour trois équations à variables séparables. Clata. Wahda fiha x prime. Wahda fiha y prime. Wahda fiha z prime. Hellouhom. Bon, hadi gadi nzeftkoum la solution. Bish d'akro. La galb dirtoum première, je suis abida. Allez.
Dès qu'on trouve x', on va trouver le grand x c'est px'. Et c'est terminé. D'accord? Allez. Monsieur, l'exercice 4, et on arrête, Inch'Allah. L'exercice 4, soit E l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, Saha, et F l'endomorphisme de E défini par F de P est égal 2x plus 1p prime plus x au carré moins 1p second. D'où l'endomorphisme. La première question, trouver les valeurs propres et les vecteurs propres de F. Trouver les valeurs propres et les vecteurs propres de F. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est beau les valeurs propres ou les vecteurs propres. Mais d'arriver à le l'endomorphisme ou la matrice? La matrice, monsieur. Non, la matrice, oui. نتعاملوا بلا ماتريس حنا بعينينا راح نشوفوا هنا لا ماتريس اسكون فوا لا ماتريس نون سور نون عليها ركزوا معايا دقيقه سوليسيون اون رومارك لا باس كانونيك دو ار 2 لي بولينوم دو دوغري 2 لا باس كانونيك تاعهم هذه هي الان الاكس والاكس 2 يعني ماشي ندير لكم الطريقه اللي رانا سي تاع بروميير اني كيفاش كنا نحسبوا لا ماتريس اسوسي لا ماتريس اسوسي Il faut prendre les vecteurs de la base canonique. Il y a les vecteurs qui sont les 1 ou x ou x au carré. Il y a les polynômes de degré 2. Les polynômes de degré 2. Quand il y a le polynôme de degré 3, on dit virgule x à la puissance 3. Ils m'ont dit que seulement le polynôme de degré 2, donc on arrête à x au carré. Ah, pour trouver les valeurs propres et les vecteurs propres de f, il faut chercher la matrice associée à F. On a hésité la matrice associée à F. À chaque fois que tu la matrice associée à F, tu calcules F de 1, l'image de A1, ou F de X, ou F de X au carré. Ça y est, ils ont mis un Insert, une minute. On a. Bismillah. F de 1 est égal. Aoudoli le P de X bel 1. Aoudoli le P de X bel 1. Hena chal j'ai. On va remplacer P de X bel 1. Bel 1. Aya bismillah. P prime 1. Zéro. Chal? Zéro. 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 0 0 يعني f de 1 شحال جينا 0 0 هاد الزيرو نكتبوه بدلاله هاد لي فيكتور يعني واش يكتب يكتب 0 فوا 1 بلس 0 فوا x بلس 0 فوا x او كار هادي الاولى بنفس الطريقه نحسبو f de x بي بريم اكس شحال؟ او اه سما واش يبقى لي؟ يبقى لي 2 اكس بلس 1 2 اكس بلس 1 ولا ديري بي سكوند؟ زيرو زيرو اي هذا الفاكتور اللي راه هنا نكتبوه بدالات قدام ال ا شحال راه كاين قدام ال ا؟ 2 اكس بلس 1 لا قدام ال ا واش تا كاين؟ هنا كاين كوفيسيون تاع اكس وكوفيسيون اللي قدام ال ا اللي قدام ال ا شحال راه ا عليها تجي ا فوا 1 بلس 2 فوا اكس هادو فوا هادو لي بوان سي دي ملتيبليكاسيون داكور 1 فوا 1 بلس 2 فوا اكس وكاينه اكس كاري هنا Est-ce qu'il existe x au carré ici? Non, monsieur. Bon, c'est ma plus 0 fois x au carré. Mais, c'est f de x. De la même façon, on va calculer f de x au carré. F de x au carré. La dérivée première, je vais dire. Deux x. Plus
Yes. La dérivée seconde, c'est 2. D'accord? Aïe. L'air à homodrobin, la constante. La constante. Chal. Attendez, l'air à homodrobin, fil 1, chal kaïn. L'air à homodrobin, chal coefficient ta'a. Moins 1. Là, l'air à homodrobin, fil 1. اختر هذا واش يجي جي اي تيغال نحسبو جينا 2 اكس مع 2 اكس 4 اكس وكاري 4 اكس وكاري مع 2 اكس وكاري جينا 6 اكس وكاري عاود 2 اكس كاين غير اكس وحده بلس 2 اكس ولي كونستانت شحال جينا constante, radna moins 1 fois 2. Smajina moins 2. Smel coefficient ta h had. Moins 2. Moins 2. Le coefficient ta x. C'est 2. Le coefficient ta x au carré. C'est 6. Et y a où je t'ai dit? تمشي لا بريمير كولون تحط هاد لي كوفيسيون في لا بريمير كولون لا دوزيام كولون نحطو هاد لي كوفيسيون في لا دوزيام كولون ولا تروازيام كولون نفامت هاد لي كوفيسيون في لا تروازيام كولون وكملت هادي هي لا ماتريس اسوسي اللي رانا نسيها عليها شوفوا معايا جات 0 0 0 في لا بريمير كولون دوزيام كولون 1 2 0 Ou la dernière, moins 2, 2, 6. C'est la matrice associée. C'est bon, je m'arrête. C'est bon. C'est bon, on continue. Oui, monsieur. Oui. Donc, elle dit, rappel, c'est la matrice associée. Ensuite, il faut diagonaliser MF. Il faut la diagonaliser. Donc, pour la diagonaliser, il faut chercher les valeurs propres. Déterminant de MF est égal à 0. Équivalent. Bon, là, la matrice, elle est très très simple. C'est une matrice diagonale. Qui diagonale? C'est une matrice triangulaire. Une matrice triangulaire, les valeurs propres, c'est HQ. كي تكون عندك اون ماتريس تريونغولار لي فالور بروب تاعها شكون اي يا جماعه سي لي زيليمون دو لا كي تكون عندكم ماتريس تريونغولار لي فالور بروب شكون هما اي يا جماعه الخير سيما لي زيليمون تاع لا دياغونال تاع لا دياغونال يعني هما 0 و 2 و 6 عليها هنا ديريكتومون شو واش هدرنا كي كاين 3 يخرج موا اون فاكتور ها هو دي جي موا لوندا 2 موا لوندا و 6 موا لوندا صاي قادر نديرو هنا لوندا موان 6 و لوندا موان 2 سي جوست سي جوست يعني نقدر نبدلو هنا نديرو لوندا موان 2 سي جوست سي بو خاطر سي لا ميم شوز و هنا لوندا موان 6 دونك هنا 0 و هنا 2 و هنا 6 دونك امبليك Voici les trois vecteurs propres, les trois valeurs propres qui sont distinctes. Donc, implique la matrice diagonale tout simplement c'est la matrice des valeurs propres 0 2 6 la diagonale ou ailleurs c'est des 0 ailleurs c'est des 0 donc elle essaye d'accord donc par suite il faut chercher la matrice de passage ou la matrice des vecteurs propres qu'on va chercher la matrice de passage.
D'accord? Donc, on va commencer par la première, la deuxième et ainsi de suite. Donc, si lambda 1 est égal à 0, si lambda 1 est égal à 0, c'est-à-dire la première valeur propre. On va trouver ça. Donc, MFV est égal à 0. 0 fois V, c'est 0. Signifie, ici, puisque la valeur propre, c'est 0, c'est-à-dire on va résoudre directement le système qui est ici. D'accord? Donc, on va trouver la première équation. Donc, c'est trois équations. Y moins 2z est égal à 0, 2y plus 2z est égal à 0, et 6z est égal à 0. D'après la troisième, z est égal à 0, on remplace ici par 0, on trouve y est égal à 0. Donc, on a entre parenthèses, mais x est quelconque, appartient à R, yani adad kayfi. Donc, puisqu'on veut chercher un vecteur propre différent de 0, donc implique V1, d'accord, implique V1, c'est x 0, 0, 0, donc implique, meilleur x, c'est, il faut remplacer le x par V1, x par 1 avec. V1 est égal. Et c'est terminé. C'est bon? Par la même manière, MFV, on va chercher V2, deuxième vecteur propre. D'accord? On va terminer cet exercice et on arrête. Donc, est égal à ça. Donc, implique. Donc, on va trouver un système à trois équations qui est très très simple. D'accord? Donc, après calcul, on trouve que le z est égal à 0 et le y est égal à 2x. Donc, implique. Voici le vecteur propre, donc implique. D'accord, avec V2, voici le deuxième vecteur propre. Il nous reste le dernier vecteur propre. Donc le dernier vecteur propre. Si lambda 3 est égal, donc on a toujours MFV3 est égal 6V3. Voici la matrice A, ou bien MF, associée, est égal à ça. Donc implique. On trouve ça. Je vais vous envoyer le corrigé, bien sûr, pour vérifier les calculs. Donc, on trouve que z est égal à 2y et le y est égal à moins 2x. Donc après, donc implique que notre vecteur V3 est égal à ce vecteur. Donc finalement, donc les calculs sont très très simples. On trouve que E3 ici, E3 avec E3 parce que c'est pas E3, c'est E6. E6 et l'autre c'est E2. D'accord? Donc finalement, on a le E6 avec ça. Donc on a les trois vecteurs, c'est bon.
Donc, ce qui implique que donc la matrice de passage c'est la matrice des vecteurs propres. La matrice des vecteurs propres. Très bien. C'est terminé. Donc la première question, c'est on a terminé la première question. Donc la première question est de trouver les valeurs propres et les vecteurs propres de F. C'est bon. Donc on a trouvé la matrice diagonale et la matrice des vecteurs propres. Il nous reste cette question. Calculer f à la puissance n à 0 plus a1x plus a2x. Ici, on va utiliser a à la puissance n. On va utiliser a à la puissance n. D'accord? C'est bon la première question? Pour qu'on termine, c'est bon? Oui, monsieur. D'accord? Donc, là, on va faire intervenir a à la puissance n. Yani, Blaslin Hasbo, f à la puissance n. On va utiliser a à la puissance n et on termine. Alors, donc, c'est les vecteurs. Donc, on va calculer p moins 1. D'accord? Donc, déterminons ça. Après, calcul. Ça c'est le calcul de p moins 1. D'accord. Donc, on a ça. D est égal P moins 1. P moins 1. Et D, donc, 1 fois, c'est bon. D'accord. Donc on va calculer a à la puissance n, d'où a à la puissance n c'est p, ça c'est le p, fois D à la puissance n, mais D à la puissance n, c'est la matrice D, la diagonale, 0 à la puissance n, à la puissance n. D'accord? Et ça, c'est P moins. Ça, c'est P moins. Très bien. Donc, est égal. On calcule le produit de Hado, ensuite le produit des autres. Donc, est égal ça. Donc, finalement, on trouve le résultat à la puissance 1 est égal à exactement ça. Une minute. D'accord. Donc, MF, maintenant ça, c'est A à la puissance N. Donc, est égal exactement la matrice qui est là. On termine. Bon, c'est quoi la matrice? C'est la matrice Lisbonne. La première colonne, c'est exactement F à la puissance N de 1. Ou la deuxième colonne, c'est f à la puissance n de x. Et la dernière colonne, c'est f à la puissance n de x au carré. Ça y est, c'est la matrice associée à f à la puissance n. C'est la matrice associée. Donc, on a entre parenthèses, matrice associée à f à la puissance n. Comme on a dit, c'est f de 1. C'est f à la puissance n. D'accord? Il y a la première colonne. Une minute. Donc, on a
On va lire les matrices. Ça y est. La première colonne, c'est Fn de 1. D'accord. Deuxième colonne, Fn de x. C'est moins 1 ici. D'accord. Troisième colonne, Fn de x au carré. Ah. Donc, voilà, par suite, on a. Donc, notre but est de calculer ça. Notre but est de calculer ça. N'oubliez pas que f à la puissance 1, c'est un endomorphisme. F à la puissance 1, c'est un endomorphisme. On va distribuer. Donc, est égal à ça. C'est A0 fois F à la puissance 1 de 1 fois plus A1 fois F à la puissance 1 de X plus A2 fois F à la puissance 1 de X au carré. Ça y est. Qui a F à la puissance 1 de 1 F la première colonne. Est égal à quoi? Je vais vous dire. F à la puissance n de 1, la première colonne, est égal à quoi? Aïe, je m'en vais, je قراو هكذا هدف هذا زائد هدف هذا زائد هدف هذا ص فوص بلس ص فوص بلس ص يعني اف على بسونس 1 شحال تجي جينا ا 0 فوا يا جماعه ايوه Donc, j'ai f, 0 fois 1 plus 0 fois x plus 0 fois x au carré. Elle est j'ai a 0 fois 0 plus a1. Plus a1. Ça y est. J'ai fn de x. Fn de x. Fn de x, c'est ce que j'ai 2 à la puissance n moins 1. 2 à la puissance n moins 1. Ça y est, fois 1, plus 2 à la puissance n fois x, plus a2, a2, fois le reste. Donc le reste, donc a2, djina, hadi fois 1, donc ça y est, donc c'est ça fois 1. Plus le deuxième fois x, plus le troisième fois x au carré. D'accord? Donc, après calcul, on trouve le résultat qui est ici. Après calcul, on trouve le résultat qui est ici. Et c'est terminé. D'accord? Donc, je vais vous, on va arrêter ici. Je vais vous envoyer le corrigé, Inch'Allah, dès que je termine l'enregistrement de cette vidéo. Essayez de réviser, parce que dans l'examen, vous avez les trois séries. Série 3, ou série 4 et série 5. Inch'Allah, cette série télé. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? Je vous remercie.